comme tous les jours depuis les attentats qui ont frappé la Catalogne, la communauté musulmane y a manifesté pour condamner fermement la violence et rejeter le terrorisme. Lundi après-midi, ils étaient des centaines réunis sur la place de Catalogne, tout près de là où s'est engouffrée la voiture Bélier sur les Ramblas. Plus de 140 groupes et associations avaient appelé à manifester. Cela fait plusieurs jours que nous manifestons dans différents endroits de Catalogne de façon claire contre la barbarie et la folie, dit cette représentante de la communauté musulmane. Aujourd'hui, nous voulons dire à l'ensemble des citoyens musulmans et non musulmans, à voix bien haute, non au terrorisme, non à la violence et oui à la paix. Il faut travailler tous ensemble pour que cela n'arrive plus jamais, pour que nos jeunes catalans musulmans n'embrassent pas d'idéologies perverses, qui n'ont pas de justification ni d'explication et qui n'ont rien à voir avec l'islam et notre religion. Sur les Ramblas, habitants et touristes continuent de rendre hommage aux victimes, chacun à leur façon. Certains s'embrassent et cherchent du réconfort. D'autres accrochent un message personnel ou viennent déposer une bougie sur l'un des nombreux mémoriaux qui ornent désormais l'avenue la plus touristique de Barcelone, où la vie ne s'est pas arrêtée.